chers camarades, bonjour. Au nom de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, un salut fraternel à tous mes frères et sœurs, travailleurs au niveau du monde entier. Donc, les 75 ans de la FSM nous tiennent à cœur. La FSM, elle est née ici, à Paris, en 1945, il y a 75 ans. Et elle est née de la volonté, de l'unité des travailleurs. Dans le même temps qu'on fondait l'Organisation des Nations Unies, il était question de fonder l'Organisation des Travailleurs Unis. Qu'est-ce qui fonde l'unité des travailleurs? Eh bien, c'est le fait qu'ils ont en commun de mettre en vente leurs forces de travail. Et au niveau mondial, eh bien, cela crée une analyse de classe. Et c'est bien notre classe sociale qui doit s'unir donc pour défendre ses propres intérêts. Donc la FSM aujourd'hui est une organisation qui a 75 ans, mais qui est en même temps une organisation très jeune et très dynamique, parce que son analyse reste d'actualité, notamment aujourd'hui, alors que nous faisons face à une crise économique d'ampleur, et donc nous avons besoin d'unité et d'internationalisme, parce que c'est au niveau international que le capital met en œuvre sa politique, et ensuite décline cette politique dans chacun des pays et dans chacune des entreprises et des groupes multinationaux. Donc la FNIC-CGT, adhérente de la FSM, eh bien, c'est quelque chose auquel on tient. Et nous sommes fiers d'appartenir à cette grande famille des travailleurs, et nous allons continuer le combat tous ensemble. Voilà mes camarades, vive la FNIC-CGT et vive la FSM.